C'est à moi. C'est pas toi. Alors j'envoie la dédicace à tout le monde. Et de ma part et de ma ligne. Allez, oh, comme ça. Alors voilà. Bien le bonjour à tous et à toutes. Hein. Une fois de plus, ici, avec le repas d'RDB chez Germaine à la marque. Jojo, Jojo, excuse-moi, tu peux recommencer? Alors j'ai finalement des courants out of go. Coupé. Voilà, c'est en direct. Coupé. Attention. Alors on a passé de bons moments, bien sûr, avec ce repas d'RDB, avec le... Une fois avec la GG, il a dit si on faisait un repas, parce que les auditeurs ils nous demandaient, les auditrices aussi nous demandaient, mais comment ça se fait? On ne se connaît pas tous, on s'entend sur les ondes, mais on ne se connaît pas. Alors moi j'ai dit bon, et qu'est-ce qu'on pourrait faire? On y a, comme on dit en patois, on y est broudja en pan. Vous avez compris? Alors on a dit pourquoi pas un repas entre nous, il y a RDB d'ici de là. Alors le premier repas, je crois que ça a attaqué au Sheila. Au restaurant chez là, puis on en a fait un peu ici, un peu là-bas. Le plus loin qu'on est allé, c'est à Haute-Rive dans la Drôme pour ce repas d'RDB. On avait débarqué un peu hors de l'Ardèche, on avait traversé le Rhône. Mais enfin, puis ça continue toujours. Et puis maintenant, moi, et là je dis on prend un peu de l'âge aussi. Hein. Alors on a dit, bon, si un jour on est trop fatigué, qui c'est qui va reprendre ça? Comment on va se faire? Alors on a pensé à Peter. Et Jean-Paul. Et Jean-Paul. Et voilà, alors c'est tous eux qui, cette année, ils ont mis en route et je suis bien content comme ça. On est là avec vous, mais ça continue, voilà. C'est important. Très important. Nous rencontre. Vous m'accuserez un pitage après tout ça. Alors, pour la radio, on va continuer tant qu'on pourra, mais on viendra un jour que ça s'arrêtera aussi. Hein. Mais enfin, maintenant, qu'est-ce que je peux dire de mieux? Si vous avez des questions au niveau de mon émission, venez me trouver, il y a la GG en face, on pourra en parler. Si vous avez des questions à poser d'ici de là, qu'est-ce que vous aimeriez de plus ou de moins, faites-le connaître parce que... Thank you.
Paradis ? Pas paradis ? Quand elle saute les rochers, elle chante et puis s'évade jusqu'en bas de la vallée. Au cours de son escapade, elle emporte mon cœur brisé, car c'est là près de la cascade que jour notre amour est né. Les petits oiseaux chantaient leur aubade, les jolies fleurs sentaient si bon. Sous le soleil chaud brillait la cascade, qu'on était bien sur le gazon. Elle est belle la cascade, quand elle saute les rochers, elle chante et puis s'évade jusqu'en bas de la vallée. Au cours de son escapade, elle emporte mon cœur brisé, car c'est là près de la cascade qu'un jour notre amour est né. Et l'on s'est aimé deux ou trois saisons, près de la chute il faisait bon. Et sur un coup de tête, sans une discussion, on s'est séparés pour de bon. Elle est belle la cascade, quand elle saute les rochers, elle chante et puis s'évade jusqu'en bas de la vallée. Au cours de je reviens où l'on s'est aimé, et je crois revoir au pied des rochers le visage de mon bien-aimé. Elle est belle la cascade, quand elle saute les rochers, elle chante et puis s'évade jusqu'en bas. Au cours de son escapade, elle emporte mon cœur brisé, car c'est là près de la cascade qu'un jour notre amour est né. Bravo! Ok, alors, c'est du tout. Tout lui nous prendrait comme on va aller, il s'entendait bien tout le temps. Un jour, il nous dit que lui n'avait de chance aux autres. Toute la bête qu'il avait qui, de vache, de béo, et Mickey il réduit tout. Mais lui, lui dit qu'il voit. Dans quel écoutant, voit. Dans quel écoutant, chien bien. Mais dans notre écoutant, un dit de petit, dit de femme, il n'en pouvait pas avoir. Il paraît que qu'à 20 demi. Elle y pourrait. Écoute, un cœur volant à l'affaire, quand ça répartit, occupe-t-elle la patronne. Essaye de lui s'amener un petit. Quand on fasse au repas. Quand on revient de l'affaire, demandez au Milo si ça sert bien pas ça. Au Milo dit qu'il n'a pas voulu. Que se passait tout à fait bien. Mais au dernier moment, on s'est cru en repas. Et après, il faut ce qu'il peut mieux, mais son poids. Mais on s'y avait bien faim.
La Philomène, pringue de bain, il n'en pringue même pas mal. Dans le pays, ayant jamais vécu un ventre comme aquel. Il peut venir le tour que de viol. Il va mener à la Philomène, à la maternité, et peut le lui, dit Guillaume Milou, ventre est au premier. Et perdrait tout et tout. Comme au gros, saurait tout de suite ce qu'il y a, si qu'il y a un garçon, te bailerait un bébé. Et si qu'il y a une fille, te bailerait une batte. Donc, en ayant tout et tout, il pourra. Et puis, au bout d'un moment, le médecin vingue. Il dit qu'il y a un sorti, qu'il y a un gentil garçon. Lui, il est bien content. Il dit qu'il y a un milieu, tous les promoteurs, te bailerait un bébé. Mais on met après le médecin revendé, il dit qu'il y a une autre, qu'elle a dit qu'il y a une fille. Et lui dit que mais, comment que faut quoi? Tu veux bien payer un bébé, mais pas d'où quand même. Ah si si si, vous allez apprendre. Vous allez apprendre, oui, mais la bête, il y a la feuille de gras, parce que revient-il, on ne peut pas la bêler comme encore. Ah mais vous allez apprendre. Bon ben, donc, tu bailerais un bébé ou une vache. Mais un moment après, le médecin revient et dit qu'il y a encore un autre garçon. Et nous lui dit ah non, 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 à qui tu peux le travailler? Mais la très bête, là, quand même. Ah si, 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 nous avons promettu. Nous avons promettu, mais bravo pas comme. Ah ouais, mais nous avons promettu. Bon ben, donc, tu bailerais doubé ou une vache, on va dire. Et puis, il n'y avait pas d'autre, mais enfin. De triplé, c'est pas mal. Mais pas mal, au milieu, c'est des joies, là, là. Si mon acteur a un panier qui pas, me mélange tout à la ferme. Pour à la cuisine, lui faire des crêpes. Le soir, le petit garçon dit à son père, « Tu sais, papa, je suis allé au Jardin des Délices. »« Quoi? Tu as fait ça ?»« Oui, je m'en suis tapé quatre. » La première était un peu molassonne, mais la deuxième et la troisième étaient vraiment bonnes, chaudes et tout. La quatrième, ça commençait à faire beaucoup, j'ai pas réussi à finir. Il partage tous les jours entre la chasse et l'amour. Amocho, c'est le roi de la montagne. Amocho, si vous n'êtes pas content, on n'a pas tous les jours 20 ans. Patron, quand j'ai assez fini, et comme le printemps leur sourire, à la campagne, elles vont tout suivre, chercher un bon petit coin fleuri, dans une auberge pleine verdure. Elle fait jeûne au bord de l'eau, et puis valse au son de la foudre. En chantant de marquer la mesure. Oh, rappelez-vous, madame, la bataille d'une fois sur l'âme, c'est le plus beau jour de la vie.